Avant l'argent Petro-Caribe a te permettre de construire lycée dans Savannette, tout le monde avec H, c'est dans l'école nationale là où tu as fait les après-midi. Deuxième journée, visite nous dans le cadre d'audit collectif association Etinovlea sous 16 lycées que le camp Petro-Caribe a été passé. Tu as surtout montré reconnaissance communauté pour construction qui fait, même si tu as un basket, tu as de l'eau et la pluie tombée, toi tu as un trou, pas de ces matériels et la trier. Audit collectif sous lycée, continuer travail nous t'est fait dans audit collectif et la vache là. Pendant 11 jours, équipe terrain audit collectif en va t'est déplacé à Anse-Rouge, Balimbe, Capotille, Caracol, Tiakakavahal, Chantal, Inch, Mianbalé, Montorganisé, Pilate, Port Morgo, Ranki, Rochabato, Sodo, Savanette ak tout monde dans l'idée pour comprendre impact réel liste qui t'est financé ak l'argent Petro-Caribe a gagné tout le monde dans la communauté. Deuxième jour, nous avons fait des lycées. Lycée tout le monde et lycée H. Nous déplacer quitter Savannette à 7h du matin. Pendant nous sur route là, malgré nous avons réparé la veille, mon frère a détaché net. Nous obligé mettre le sous deux machines là. Nous arrivons dans lycée tout le monde là à 10h30. Nous avons chance de contrer à directeur lycée Léonel Exumé, qui expliquait la besoin d'autorisation directeur départemental éducation Saint-Lan, Muller Julesin, avant de parler avec nous. Après un petit temps, parler en téléphone qui dirait 10 minutes comme ça, directeur départemental Saint-Lan t'a insisté pour ne pas savoir tout de suite nous fin parler avec directeur Exumé pour la bonne autorisation pour lycée Inchlan tout. D'après directeur Léonel Exumé, qui pas de vle nous fin mail mais qui t'a accepté nous enregistrer, lycée tout le monde l'an t'a existé depuis dans l'année 1995-1996. Mais il a fonctionné sans local. Lycée tout le monde il prend naissance dans l'année 95-96 et dans l'époque ça il était dans nos personnels administratifs là, ministère de l'éducation nationale était dans nos personnels administratifs là et donc mais nous étions hébergés dans local école nationale là tout le commissariat de l'après-midi. Donc et après quelques années donc laissa donc pour arriver et 2000 sous et gouvernement et là, et Mathilde Lamotte, donc en 2011, 2012, 2013, donc il y a un lycée flambant neuf là qui vient construire. Et puis même comme directeur, donc moi j'ai une nécessité et pour nous quitter local et espace là pour nous être capable de venir bon, ici. Et conjointement avec la direction départementale et ministère là, donc nous venons ici. Bon, le problème, il y a un problème qui est lié, il y a un problème qui est commun. Mais généralement, pour le lycée tout le monde, vraiment, ça l'informatique nous commençons à préparer. Mais nous, comme d'habitude, donc nous avons un problème courant EDH qui est à quelques mètres là. Donc nous avons beaucoup de courant EDH là. C'est le système inverteur qui nous utilise, mais pas pour le tomber. Mais je pense que donc, nous travaillons avec deux mondes que nous avons fait auprès du ministère là, qui toujours accompagnent nous. Je pense que donc souper ça va marcher. Mais pour question cafétéria, généralement, il n'y a pas de cantine dans le lycée. Mais c'est cafétéria qui est vraiment en particulier qui vient, qui vend et qui est acheté. Mais il n'y a pas de cantine dans le lycée. Donc, mais en plus de cela, il faut me dire que je viens de constater, c'est vraiment nous, en plus des ministères qui accompagnent nous, mais nous avons fait d'autres démarches tout pour nous capables de faire des lycées. Oui, parce que moi-même, les bâtiments sont construits, donc je n'ai pas droit de regard, de supervision, parce que le film, je n'ai pas de mettre les ministères là. Même si nous faisons passer comme nous, nous connaissons les mapes là, même pour être implication et communauté, chantier, nous avons pris mon cap de travail. Donc ça veut dire que nous avons participé. Pour construction lycée, directeur Exumé, Bayonne 70%. Mais l'État a mis un bist pour faciliter le déplacement des élèves. Je note dit dans le premier jour, lycée tout le monde là, c'est une trois lycées. Compagnie Sekosa a construit dans le département centre pays. Compagnie ça a signé un contrat à 148,457,665 gouttes avec l'État, mais c'était 148,457,611 gouttes 60 qui étaient décaissés d'après rapport ou des comptes là. Rapport a te parlé tout de 21 millions goud pour supervision. D'après rapport a te gen irrégularité dans construction lycée. Tout le monde, ça va net, ak se kakavahal la. Kou de compte, te souligne tout, li pas tant mezi pour conclure projet au fini,
parce que pas certificat qui était bail pour confirmer projet fini vrai. C'est dans ce sens ça, ni lycée Savanet, ni c'est au monde pour qu'on jamais inauguré d'après directeur. Nous reprenons route là pour nous arriver au directeur départemental là dans direction départementale éducation Saint-Lan dans ville Hinche. Nous t'a demandé la permission pour visiter lycée Chalmal Perrat là dans Hinche. Mais nous profiter tout poser les questions sur fonctionnement, financement et problème lycée dans département Saint-Lan. En ti parle nous te gen avec là, nous fini pas comprendre ces organisations internationales qui baillent en pile coup de main dans question l'éducation dans département Saint. Directeur départemental là, te mette accent sur ça qui fait yo pendant li minimiser anomalie yo. Li mette en pile accent tout sur leadership directeur lycée yo, nan invite grève et puis aider dans bon fonctionnement lycée yo. Après discussion avec directeur départemental là, nous prenons direction lycée Charles Malperat là nan Hinche. Nous arrivé à 3h dans l'après-midi. Classe te getan fini, tout personnel administratif là te getan allé, li te getan trop tard. Heureusement, nous jwenn des élèves NS3 qui t'ap travay nan yon nan sal yo. Yo pale nou de problèm zanmi yo nan lise a kont travese ki pa diferan ak problèm nou te jwenn nan lise Savanet la. Mem Jacques Savanet, konstriksyon lise to moun lan te jwenn bon akèy nan populasyon an. Men nan pil sens, yo se kay koule. Yo trompe soleil, yo pa trompe la pli. Pa gen kou enfòmatik, pa gen kafeteria, lise a loin vil la, epi gen gro maglo devan l. Pourtant, dans la date 7 octobre 2011, là, l'État a signé un contrat 60,463,445 goudes à compagnie Secosa pour bâtir lycée Chalmal Perrat là dans Hinche. Coup d'un coup, toujours pas qu'à dire si lycée Chalmal Perrat là fini parce que aucun certificat pas de bail. Après visite lycée Chalmal Perrat là dans Hinche, équipe terrain audit collectif là allé dans l'hôtel Maguana pour dormir. Nous connaissons journée de mai à longue. Nous gardez-vous pour nous rendre quitte avec ce cacavale.